Eh bien, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver après ces petites semaines d'absence. Mais j'ai quand même eu le temps et l'occasion de penser à plusieurs idées concernant des jeux que je pourrais vous présenter en me purifiant de l'air marin. Vous laissez un petit peu la vidéo pour que vous puissiez... Oh, le lag. Suivant toujours le même cours. Et moi, je l'ai vu face à face. Et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous. Et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Charaman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde, en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Bam, fils. Alors... Croyez-vous que donc... j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction? Vas-y, je te laisse la parole. Les cris d'horreur. Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Combien mon père serait fier de voir son fils combattre comme un vrai guerrier. Donc, alors, sachez tout d'abord que j'ai pas mal travaillé sur ces dernières vidéos. En effet, comme je n'étais pas disponible sur TeamSpeak, j'en ai profité... Premièrement, pour faire donc des vidéos sur des jeux qui se jouent en mode solo et non pas en mode multijoueur comme je l'avais fait précédemment avec Call of Duty, Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops, voilà tout ça. Et donc j'ai choisi de vous faire une petite vidéo sur des jeux en solo parce que pas tout le monde ne connaît voilà tous les jeux, c'est impossible de connaître tous les jeux qui sont sortis, mais cependant il y en a certains, comme le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, qui ont des aspects intéressants. Voilà, pour juger justement les jeux qui sortent actuellement. Oui, voilà. Par ailleurs, je tiens à dire aussi que vous l'aurez peut-être remarqué, joli ralenti. J'ai changé l'intro qui est un petit peu plus générale qu'avant. Alors je précise que je suis en live et donc c'est pas toujours facile d'allier la parole au jeu. Ok, donc là. Hop, c'est pour ça que je me demandais en fait si j'allais pas faire des vidéos sur. Oh là là, le ralenti, l'action ralentie, c'est du joli. Alors, ne vous fiez pas trop au sang, hein. C'est quand même sanglant, hein, mais ça avait plus 12 ans à l'époque. Donc je vais vous expliquer maintenant. Voilà, donc le jeu que j'ai choisi de vous présenter est un jeu que je suis parvenu à retrouver en rangeant mes étagères pleines de poussière. Je ne vais pas vous faire plus attendre. Vous l'aurez remarqué, c'est donc Prince of Persia, pour ceux qui connaissent. Et le nom entier du jeu est Prince of Persia, les sables du temps. De nombreux hommes ont cherché à se couvrir de gloire sur le champ de bataille, afin que leur roi leur dise, comme Khosrow avait dit à Rustam, « Tu es le plus noble de mes guerriers. » Mais dès que le combat a commencé, j'ai su que je n'y avais pas ma place. La fierté de mon père, je la gagnerai non pas en tuant, mais en trouvant la salle au trésor du Maharaja et les merveilles qu'elle recelait. Je t'aime bien mon petit prince, mais j'aime pas trop comment tu m'interromps hein, comme ça. Chaque fois, la prochaine fois, je te préviens, tu auras une sanction, je te mute. Voilà donc, c'est un jeu qui est sorti en décembre 2003. Alors oui, un jeu qui a bientôt 10 ans, me direz-vous, mais le choix de ce jeu n'est pas anodin. En effet, les éditeurs et les développeurs ne sont autres que l'entreprise Ubisoft, Ubisoft Montréal pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une entreprise notamment connue pour avoir lancé les Assassin's Creed. Assassin's Creed avec l'accent. Sur le marché. Et donc aujourd'hui pour le Assassin's Creed 3. Bien entendu, je vais
vais pas aborder donc les jeux tels que Far Cry. Je vous ferai d'ailleurs, j'espère, une petite vidéo sur Far Cry 2. Voilà, encore une fois, c'est sans prétention, hein, c'est juste pour montrer à ceux qui n'ont pas ces jeux, ce à quoi ils pourraient jouer ou ce qu'ils ont manqué. Parce qu'en l'occurrence, voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2003. Alors, j'espère que vous l'aurez compris, je vais vous dévoiler un petit peu ce jeu pour faire un parallèle entre les Assassin's Creed 3, les Assassin's Creed, pardon, et le Prince of Persia. Vous voyez que c'est la même entreprise, on peut dire que le Assassin's Creed est donc une suite logique de ce prince. Alors, voilà, donc l'histoire est relativement simple, je n'ai pas encore arrivé à là, mais vous verrez qu'en fait, ces hommes que je combats vont se transformer plus tard en créatures de sable, et ce, là, dû à la dague du temps. Hop, voilà, je vais pas être trop... Ah oui, ne pas oublier qu'il y a toujours ce rangement d'épées à chaque fin combat. Voilà, donc techniquement, la base du succès, ça repose sur un atout de taille. C'est un personnage plutôt fortiche à l'escalade, hein, un petit peu comme notre ami Lara, qui évolue donc dans des pays et des lieux donc différents en fait, et attrayants. Alors voilà, donc j'en profite pour vous montrer les deux différentes vues pour l'instant. Vous avez donc la vue, voilà, troisième personne, vous en avez deux. Vous avez celle très éloignée et celle juste derrière votre personnage, si on peut dire. Oui, donc j'en reviens au lieu attrayant, pardon. C'est un prince de Perse. Vous pouvez remarquer notamment que l'univers a néanmoins évolué avec les Assassin's Creed. Que le personnage évoluera en Italie, en Syrie et même bientôt en Amérique. Alors, donc c'est un projet, vous verrez que j'ai pas mal travaillé, hein. C'est un projet débuté en 2001. Il aura donc fallu 2 ans pour attendre sa sortie, sortie qui marque également ce jeu comme premier épisode d'une trilogie composée de L'âme du guerrier, sortie en 2004. Et de Les Deux Royaumes, sorti en 2006. Je compte... Oh, alors ça, c'est un beau ralenti. C'est ça que j'aime bien aussi sur ce jeu. C'est que comparé au Lara Croft, enfin, du moins pour celui que j'ai, c'est l'Anniversary. C'est peut-être pas le préféré de tout le monde. Voilà, c'est que quand vous sautez, de temps en temps, il y a des petits ralentis. Mon récit à partir de ce point la prochaine fois. Vas-y, je te laisse. Je reprendrai à partir de ce point. Pas de souci. Moi donc je vais reprendre sur le fait que je ne vais pas trop étoffer cette vidéo, puisque c'est un jeu plutôt ancien. Quand même, 10 ans, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y aura eu le temps de faire beaucoup... Beaucoup de youtubeurs auront eu le temps de faire des vidéos sur ce jeu. Mais voilà, je pense qu'il va quand même nous servir à voir un petit peu les points communs et différences peut-être de Assassin's Creed. Alors, concernant les graphismes... Elle était là, presque hors d'atteinte. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. Voilà. Si seulement j'arrivais à m'en saisir. Mais t'inquiète pas, tu arriveras à t'en saisir. Concernant les graphismes... Ça se rapproche... assez nettement de ce que je peux voir. Je joue là en full définition. C'est vrai que c'est pas... top, mais pour l'époque, ça fait quand même 10 ans, je tiens à le rappeler, c'est quand même pas mal, surtout sur PC. Voilà, donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Fraps, en version craquée, que l'on m'a conseillé en fait, et voilà, donc c'est un petit peu ce que je... enfin c'est exactement ce que je vois à mon écran en fait, hein. Voilà, donc je vais peut-être m'attarder un petit peu sur le décor, enfin, fait quoi.
On est encore loin de la technique qui consiste à dire que les personnages font très vrai. Là, vous voyez en l'occurrence, il y a des petits bugs quand même. La main traverse le visage, c'est pas toujours très 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 clean. Voilà, mais plutôt agréable à regarder. Ça picote pas les yeux, enfin du moins, je sais pas pour vous, mais j'ai déjà joué à pire. Voilà. On ajoute à cela quand même. Alors attends. Je m'arrête 2 secondes dans ce que je suis en train de dire, je ne comprends pas. Hop. Bon alors non, c'est pas ça. Je le redis, je sais pas, je l'ai dit, mais voilà, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. C'est vrai que. Non, c'est pas ça. C'est vrai que la maniabilité n'est pas super. Voilà, donc là, voilà, la vue dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, vous ne pouvez pas vous... Enfin, je crois que je vous en ai parlé. Vous ne pouvez pas, en fait, vous déplacer, vous ne pouvez que voir. Ah, peut-être... Voilà, ouais, c'est bon. Ah, c'est souhait. Voilà, donc, la couleur est plutôt intéressante à regarder. On peut... Là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais vous aurez peut-être pu entendre tout à l'heure les sonorités orientales, on peut dire ça comme ça, qui permettent de créer une petite ambiance sympathique. Là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment d'ambiance. C'est voilà, c'est dans un temple, et puis, bah... C'est... Attendez, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien, où en étais-je? D'accord, bon, alors là, j'ai fail, mais je vais recommencer. Veuillez m'excuser, de toute façon, je teste en fait ce jeu depuis... Enfin, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, et c'est donc la première fois que je le teste depuis quelques années quand même. Voilà, donc l'ambiance... Pas... très sympathique étant donné qu'il n'y a pas de musique, mais voilà. Concernant la maniabilité, bah, je vous le rappelle, hein, ma chaîne elle est principalement sur PC. Et la maniabilité n'est pas forcément accessible à tous. Hein. Faut quand même un petit peu de... Comment... de temps pour s'adapter à la maniabilité qui n'est pas terrible. Faut ajouter à ça une caméra qui fait un petit peu ce qu'elle veut. Hein. Et c'est pas toujours top pour se déplacer rapidement et comme on le voudrait. Ah oui, tiens, à propos du prix. Parce qu'on n'achète pas un jeu quand même juste en fonction de son gameplay, je pense qu'il y a quand même une question prix là-dedans. Alors vous inquiétez pas, hein, je l'ai acheté pour la somme raisonnable de 10€. Et parce qu'en fait je ne l'ai pas acheté dès sa sortie, mais un petit peu après. Et voilà, donc 10€, on s'en doute peut-être, mais c'est pas un jeu qui va offrir d'énormes possibilités, puisque il n'y a pas de mode multijoueur. En l'occurrence, vous n'avez que le mode campagne. Ça faisait souvent en fait sur les jeux voilà, de cette époque-là. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas de jeu multijoueur. Pour la simple et bonne raison que je ne sais, enfin pour l'instant je n'ai pas le cerveau à réfléchir. Petit joueur 2003, ça devait exister quand même. Sur PC, je ne sais pas sur quel jeu par contre. Peut-être sur Metal of Honor, le débarquement allié, mais faudrait que je vérifie la date. Mais bien sûr, il y a eu certainement beaucoup de jeux avec un mode multijoueur. Ah oui d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une petite question qu'un youtubeur m'a donc posé. Pourquoi ai-je choisi de faire des vidéos sur PC et non pas sur console? Alors la réponse est très simple dans la mesure... Oh là là, j'aime pas du tout ces choses-là.
Ça va que c'est pas très très compliqué, hein. Faut dire quand même que même si le jeu est pour plus de 12 ans, il n'y a pas de... pas qu'il y ait de réelles difficultés, on attend que les blocs qui tombent et voilà. Oui, donc pourquoi pourquoi sur PC? Bah, parce que dans la mesure où je possède deux consoles de salon, sont autres que la Xbox, donc la toute première Xbox, hein, et la PlayStation 2, c'est difficile donc de faire des vidéos sur des jeux d'actualité. Donné que ce qui marche en ce moment sur YouTube, c'est les jeux d'actualité. On va pas vous faire une vidéo sur le jeu Pong, bien que ce soit un jeu très célèbre, je ne pense pas que ça va vous intéresser forcément. Il y en est peut-être le cas là d'ailleurs pour ce jeu Prince of Persia, qui, je vous le dis, je vous le répète, il n'est pas tout jeune. Donc voilà, PC parce que je n'ai pas d'autre console en fait. Actuelle. Peut-être que je m'en achèterai une, ça dépend. Non, C'est vrai non, que ce les n'est pas prix ce ont... qui s'est passé. J'ai sauté par-dessus le pont effondré et je l'ai franchi en prenant de l'élan. Je... On va l'enfer. Alors, oui, donc on va revenir à notre prince. Je suis désolé pour le fail. Pas l'habitude. Donc, comme dit pressé d'amant, on sent quand même une petite volonté des développeurs de nous faire évoluer dans des paysages pittoresques. Deuxième mot que j'arrive à caler. Je suis assez fier de moi. Donc ce sont des paysages qui sont d'ailleurs visibles sous trois angles. Je me Non, répète ça un n'est petit jamais peu. arrivé. Je peux recommencer? J'y arriverai pas, j'ai l'impression, à celui-là. Parce que je parle en même temps et que je ne suis pas assez concentré. Revenons sur les trois angles, donc que ce soit en vue de combat, en vue alternative, à savoir pour les grosses actions ou encore en vue libre. On peut quand même juger l'environnement de Prince of Persia. D'ailleurs dire qu'il est un petit peu ridicule. Ah oui d'accord, en fait. C'est pas que c'est un peu le vide, j'avais pas remarqué qu'en fait le temple était aussi profond. Voilà, donc pour les. L'environnement. Qui est un petit peu ridicule, hein. Je n'ai pas une pointue, hein. Mais comparé aux Assassin's Creed, en fait, la majeure partie de l'histoire, elle se déroule pour ce Prince of Persia dans un lieu fermé. En fait, c'est la forteresse. Et ce, pour les trois volets de la trilogie. En général, on va pas aller dans. Enfin, je crois me souvenir qu'on ne vit, enfin, on ne voyage pas vraiment en fait. C'est vraiment concentré sur des pays. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous ne voyez pas, eh bien tant pis pour moi, je n'ai qu'à mieux m'exprimer. Alors, je me souviens qu'il y a quand même des chambres et tout ça. Donc c'est, voilà, vous pouvez le constater, un univers quand même assez immense. D'ailleurs, on constatera une certaine progression de cet environnement au fil des volets. Ainsi donc, ce premier opus. Non, je vais faire la liaison. Ce premier opus se déroule donc dans un temple, et la restriction semble quand même s'effacer par la suite. Alors là, ça j'adore. On peut noter par la suite que... Enfin vous... Que l'idée de campagne a Et donc ça. elle aussi évolué. Ah, pardon, je te laisse parler. Non, c'est bon. C'est bon, je peux en placer une. Ce bot, tu peux faire la chochotte. T'es un prince, mec. J'avais ce que je cherchais, et il était grand temps de partir. Te préviens, j'aime pas du tout quand tu m'interromps comme ça.
parce qu'après je sais plus où j'en suis, hein, à force de t'écouter. Voilà, donc une restriction qui semble quand même s'effacer par la suite. Voilà, donc l'idée de campagne, elle a elle aussi évolué dans une forme très positive, parce qu'en fait ce prince-là, il est limité par une seule et même quête. Hein. Voilà, la dague du temps, tout ça. J'en profite pour utiliser mon nouveau super pouvoir hyper cool. Je suis alors aperçu que je pouvais reproduire à volonté le miracle que j'avais connu par accident dans la salle au trésor du Maharaja. Et bah ouais. Il me suffisait d'appuyer au bon endroit du manche de la dague pour remonter le cours du temps. Mais c'est la classe, ça, c'est la classe. Voilà, donc j'en reviens à la quête qui est unique. Alors que l'assassin peut, quant à lui, détenir la possibilité de se divertir par des quêtes annexes qui peuvent lui rapporter de l'argent. À propos des PNJ, vous l'aurez peut-être vu dans les petits combats que j'ai fait avant. Ils n'ont pas encore cette aisance en fait de mouvement. Alors ça non, ça je... Ça c'est vraiment les choses qui me... m'horripilent. Oh. Père, j'ai fait honneur à notre famille. Votre Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. Vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat ? Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le sultan de Azad, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie, et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'aie fait mon choix. Le roi Sharaman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise. Voilà, donc j'ai pas voulu trop parler en même temps. N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça, je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte. Le sultan de Azad. Mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. De rien. Ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. Ah bah il va être content avec ce cadeau. Royaume, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il ? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Ah. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince, valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Non. Non ! Arrêtez ! Est-il normal? Ah, les iras, c'est papa! Attaque! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que tu penses-t-il? Ouais, bon bah pas terrible en tant que zombie de sable.
Donnez-la-moi! J'aime beaucoup, voilà, les musiques. Oui, donc, on a davantage un jeu, comme vous l'aurez vu, comme Tomb Raider, sous forme de couloir, et où il faut grimper, en fait. De nombreuses prises de tête, pour moi, parfois. On peut aussi donc s'attarder sur les différentes énigmes du temple, permettant la progression. Voilà, donc certaines qui devenant tellement agaçantes à comprendre parfois qu'une solution bien écrite trouvée sur le net vous permettrait de vous relaxer. Je sais pas pour vous, mais il y a de temps en temps des astuces pour Tomb Raider, comme pour ce jeu, pas forcément facile à trouver soi-même. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour du jeu et de la vidéo. J'espère que ça vous aura été intéressant. Je ne vais donc pas le finir. Vous pouvez... Vous pouvez donc, dans les commentaires, me dire votre avis si vous voulez que je continue pour montrer l'étendue totale de ce jeu. Hein. Dure quand même, je pense, une bonne dizaine d'heures. Merci à tous et à bientôt. Ah d'accord, vous voulez voir mes autres vidéos? Bah c'est facile, vous avez juste à cliquer sur les liens là, hein? Sur le côté. Vas-y clique, on pourra danser! Nanana. Bon d'accord, j'arrête.